Et salut tout le monde, c'est Rally Snake. On se retrouve aujourd'hui pour le trophée L'ombre de l'Égypte, donc qui consiste à tuer 10 ennemis à la suite sans vous faire détecter. Bon, que pour ce trophée, il n'est pas si difficile que ça, donc ça sera un trophée plutôt simple pour les joueurs qui ont l'habitude de jouer en infiltration ou par les gros fans de la série Assassin's Creed. Pour ceux qui ont plus de mal, je vous ai trouvé un petit coin dans les montagnes vertes, donc c'est une grosse forteresse avec beaucoup de soldats. Et je vous invite à y aller de nuit, ça sera beaucoup plus facile. Vous aurez des soldats qui seront endormis, donc pour tuer 10 d'affilée, ça sera beaucoup plus facile. Et niveau conseils et astuces, le mieux c'est de vous équiper, comme je le fais, de fléchettes soporifiques. Déjà d'une, parce que vous pouvez endormir, même si vous faites détecter légèrement, vous pouvez endormir tout de suite après votre cible et ça ne fera pas de contre-indication avec le trophée. Et en plus de ça, tout autour du fort, vous avez des points de ravitaillement. Donc, quand vous avez plus de fléchettes soporifiques, vous pouvez vous ravitailler à n'importe quel moment. Quelques petits trucs à savoir. Donc, vous voyez en bas là aussi, il y a des soldats qui sont en train de dormir. Quand vous avez deux soldats à côte en train de dormir, n'allez pas assassiner un soldat comme ça, même s'il est en train de ronquer. Donc, soyez toujours baissé en mode furtif quand vous attaquez. Mais si vous tuez un soldat qui est en train de dormir à côté d'un autre, ça risque de le réveiller. On ne sait pas pourquoi, ça fait du bruit. Enfin bref, dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous endormez un soldat sur deux avec votre fléchette soporifique. Donc voilà. Après, il n'y a pas plus de choses à savoir que ça. Donc, bien rester tout le temps en mode furtif. Usez s'il faut de fléchettes soporifiques si vous n'y arrivez pas. Bien sûr, ayez un niveau largement supérieur à vos ennemis. Donc, 2 points de niveau, ça devrait suffire. Mais parce que sinon, le tranquillisant pour les endormir ne va pas faire aussi bien effet. Puis votre lame secrète, si elle n'est pas bien améliorée, ça sera pareil. Vous n'y arriverez pas à tuer en un coup votre ennemi, pardon. Donc voilà. Après, bon, si vous avez des questions, bah, vous me laissez un petit message dans les commentaires. Si jamais vous n'y arrivez vraiment pas, que vous avez besoin de conseils, bah, la même chose. Puis bah, sinon, bah, je vous dis au prochain trophée. Allez, salut tout le monde! Be out.